Le service des Sigvert, en fait, c'est un service qui est gratuit. On est là tous les jours, tout l'été, jusqu'au 1er septembre. Puis la clientèle qu'on a, ça se divise vraiment en deux catégories, je vous dirais. Il y a les locaux qui utilisent souvent les vélos pour aller se promener un petit peu dans leur journée de congé, aller faire des courses rapidement. Sinon, ça va être les touristes qui viennent prendre les vélos pour toute la journée. Les commentaires qu'on reçoit, les gens sont vraiment toujours super positifs. Les gens sont vraiment contents. Puis c'est vraiment une belle expérience pour eux. C'est une autre façon de découvrir Montréal. La Caisse populaire des Jardins du Mont-Royal est fière de s'associer pour la 7e année consécutive à la flotte de vélos Bicycvert. Je contribue au projet depuis 2007 et à chaque fois, je suis impressionnée de voir l'engouement des résidents, des citoyens et des touristes. Là, on est parti d'ici, Montréal. Puis on est parti jusqu'au Vieux-Port. On a tourné sur Westmont. Après, on a monté Petite Italie, le Mainland et on est descendu jusqu'ici. Ça permet de faire le tour de la ville plus rapidement plutôt que de refaire 20 fois le même quartier en une seule journée. Tu peux en faire 10 dans la journée, c'est ça qui est pratique. C'est avec enthousiasme que s'associe une fois de plus cette année la Caisse Desjardins de l'Est du Plateau au projet Bicycvert. Pour ma part, il s'agit d'une première expérience au sein du projet et ce que je constate, c'est que Bicycvert, c'est un événement durant la période estivale qui est convivial, rassembleur. C'est gratuit, facile à utiliser. En plus, cet été, comme nouveauté, on a renouvelé notre flotte de vélos qui ont été faits à Montréal. Je vous invite à venir les essayer. Longue vie à Bicycvert!